Hello les étoiles. Demain, nous serons dimanche, le 6 janvier. Alors certes, c'est la nouvelle lune, ça vous le savez déjà, mais c'est également le jour d'un portail énergétique qui s'ouvre. Un grand portail, parce qu'en plus, il y a une éclipse solaire. Apparemment, en Capricorne. J'irai pas plus loin au niveau de l'astrologie, c'est pas mon domaine. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi là-dessus. Par contre, je voulais vous parler de ce portail énergétique qui s'ouvre. C'est un portail énergétique qui va être sous la vibration du 333 et donc il va nous apporter plein de choses. Déjà, il nous apporte des changements qui se mettent en place dans nos vies actuellement, des changements qui vont se renforcer petit à petit au cours des prochains mois. Et même si on ne comprend pas encore à quoi ça nous mène, en tout cas, ça nous mène sur le bon chemin, ça je peux vous l'assurer. Les changements sont en train de se produire, tout doucement, tranquillement. Et donc là, on nous demande d'avoir confiance, confiance en l'avenir, confiance en l'univers, que ces changements sont bénéfiques pour nous. D'accord ? D'autant plus qu'avec cette vibration du 333, nous sommes en reliance avec les maîtres ascensionnés. Donc, ils sont là pour nous aider à réaliser nos vœux, si on peut dire ça comme ça, et surtout à nous assister dans tout ce qu'on entreprend et à nous permettre d'avoir une idée plus claire de notre objectif de vie ainsi qu'une idée plus claire de nos missions d'âme. Cette vibration du 333 nous encourage également à être dans la créativité, dans la communication, dans le social et surtout à utiliser nos capacités, nos talents naturels pour aider les autres et pour nous aider nous surtout. On a tous quelque chose de particulier, on a tous un talent spécifique et c'est ce qu'on nous demande de faire à partir de dimanche, c'est vraiment d'utiliser nos capacités, nos talents spécifiques pour nous aider dans notre vie et dans notre chemin et aussi pour aider les autres. À chaque fois qu'on aide quelqu'un, on s'aide soi aussi. C'est un juste échange. Et donc, le conseil que je peux vous donner pour passer ce portail énergétique au mieux, c'est déjà de garder une attitude et des pensées le plus possible positive. La permanence de la positive attitude, pour moi, ça se fait pas. Disons qu'on peut pas être continuellement en énergie haute et continuellement dans le positif. C'est normal que de temps en temps, il y a des baisses. Donc, c'est pour ça que je dis le plus possible en attitude et en énergie positive, avec soi, avec les autres, avec tout être vivant, toute chose qui nous entoure. Et d'être le plus possible en harmonie avec soi et notre environnement. C'est les conseils que je peux vous donner vraiment pour passer ce palier au mieux. Vous allez voir que ça va amener encore une ouverture de conscience et une augmentation du taux vibratoire, une augmentation de l'éveil spirituel. Et comme en plus ce portail tombe sur le jour de la nouvelle lune, ne soyez pas étonnés s'il y a un brin de fatigue physique et de fatigue morale. Les deux vont aller de pair pendant quelques jours, le temps que notre organisme s'habitue à cette nouvelle montée énergétique. Donc, pas d'affolement, tout va bien se passer, prenez du temps pour vous, respectez votre rythme, c'est important. N'allez pas courir un marathon ou faire plein de choses alors que vous avez un rythme plutôt tranquille. Hein, respectez vraiment votre rythme. Essayez de faire des méditations le plus souvent possible, buvez beaucoup, nourriture légère, et vous allez voir que tout va bien se passer. J'espère que cette explication a été assez claire. Vous pouvez bien sûr me laisser vos commentaires et vos questions sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.